Et voici le vainqueur du prix de l'entrepreneur de l'année édition 2014 de la région Méditerranée. Mohamed Altrad, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la société Altrad, une société spécialisée dans le matériel pour bâtiments. Aujourd'hui, en quelques chiffres, Altrad représente quoi ? Altrad, c'est 870 millions de chiffres d'affaires. C'est 115 filiales à peu près. C'est quelque chose comme 7 à 9 000 personnes. Pourquoi je dis 7 à 9 000 ? Parce que c'est une activité saisonnière chez Altrad. Donc ça aussi, là, tout ce qui est CDI, donc c'est autour de 7 000 personnes. Et on a en permanence un volant d'intérimaires, de CDD de 2 000 personnes. Voilà, Altrad, c'est une facturation dans une centaine de pays dans le monde chaque année, dont uniquement le tiers en France, le reste c'est à l'international. Et aujourd'hui, c'est quoi la clé de votre réussite ? La clé, si vous voulez, je crois que les clés ne résident pas forcément dans le produit, ni dans les usines de production. On cherche les clés de la réussite dans la différence culturelle des sociétés qui composent le groupe Altrad, donc les 110, 115 filiales dans le monde. Donc c'est cette richesse culturelle dans chacune des filiales. On cherche à les consolider, à en faire quelque chose comme un vecteur commun de développement et de croissance. Aujourd'hui, vous êtes innovant, vous allez à l'international, vous l'avez dit, vous êtes dans plus de 100 pays. Quels sont les prochains objectifs du groupe Altrad ? Le groupe Altrad a une croissance depuis 30 ans autour de 15% en moyenne. Notre objectif, c'est toujours le même. Et comme vous le savez, 15% de 100 millions, ça ne fait peut-être pas beaucoup. Mais lorsqu'on arrive vers le milliard, donc ça fait beaucoup. Donc chaque année, d'aller encore plus loin dans cette croissance. Elle se fera à travers une croissance géographique et tout en gardant les métiers de base du groupe Altrad, qui sont les échafaudages, les bétonnières, les matériels tubulaires pour collectivité. Donc Altrad est leader mondial de la bétonnière, leader européen de l'échafaudage et leader mondial dans un certain nombre de produits qui sont dans sa gamme. Et si vous aviez un dernier conseil à ceux qui nous regardent, un conseil qui a fonctionné pour vous, ce serait quoi ? Je pense, si vous voulez, il faut raisonner sur le moyen long terme. L'entreprise, c'est une construction. Comme son nom l'indique, on ne construit pas en 3 jours. Il faudra forcément un peu de chemin, un peu de temps, un peu de souffle. Donc, soyez patient, croyez en votre projet et il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Soyez patient et ça marchera. Merci à vous, Mohamed Altrad. Je le rappelle, vous venez de remporter le prix de l'entrepreneur de l'année 2014 de la région Méditerranée. Et nous nous retrouvons donc pour la cérémonie nationale le 13 octobre prochain au Théâtre Mogador à Paris. Merci à vous et encore bravo. Merci.